Attendez, attendez. Ah bon. Est-ce que vous pouvez juste répéter ce que vous venez de dire? Parce que là, ça me semble bizarre de votre part, en fait. L'hélico, décroche, s'il vous plaît. On entend trop. Sound muted. Attendez, là, je viens de dire à l'hélico de décrocher, parce que là... Voilà, parce que là, on a un petit souci, monsieur. Ça me semble bizarre. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'aimerais envie de savoir... Pourquoi est-ce que vous vous baladiez en Ifrit, tout simplement? Vous savez que c'est quand même un véhicule blindé, un véhicule de guerre, un véhicule dit illégal. Et j'aimerais savoir tout simplement pourquoi est-ce que... Quelle était la nécessité de sortir un tel véhicule, monsieur? C'est mon véhicule pour aller faire les courses. C'est votre véhicule pour aller se faire les courses? Il est ironique en plus. Non, non, mais c'est bon. Mais allez, juste j'ai procédé là, à berger là, j'en ai une à cirer de ce que vous voulez là. Faites ce que vous avez à faire là, et je ne répondrai plus à aucune de vos questions là. Sans la présence de mon avocat, et mon avocat il n'est pas là aujourd'hui, alors c'est bad. D'accord. Alors juste vérifier un juste vérifier le compte. Allez-y caporal, hein, je vous laisse vérifier. Si vous avez besoin d'aide, vous voulez que je calcule l'amende, vous me le dites, hein. D'accord, d'accord. Bah... On va voir s'il a déjà ses papiers sur lui. Alors monsieur, avez-vous vos papiers sur vous? Nickel, je vous montre ma plaque. Je peux pas vous les montrer, j'ai les mains attachées là. Dites-nous dans quelle poche ils sont, hein, mon collègue va les prendre. Celle du trou du cul là. Mettez votre monsieur s'il vous plaît. Vous avez l'habitude de le faire là. Monsieur s'il vous plaît, soyez un minimum correct. Hein. Jusqu'à maintenant on vous a pas manqué de respect. Donc c'est la moindre des choses qu'on vous demande. Manqué de respect, vous avez dit, vous m'avez allumé comme un pigeon là, alors que j'ai même pas rien vu aller là. Aucune sommation, aucune sirène. Ah si si monsieur, lors sur le barrage de sur la route, je vous ai demandé de vous arrêter monsieur. Il y a même deux coups de feu qui ont été tirés. J'ai rien entendu monsieur. J'ai rien entendu. Il fallait mettre des chem lights par terre là, vous annoncez là. Monsieur, on est l'armée, on n'est pas la police, on n'est pas la police du transport, ni la police des routes, hein, monsieur. Hein. Ah non, non. Mettez la prochaine fois, un petit conseil, monsieur, là, et je parle du fond du cœur. Hein. Mettez de la lumière autour, là, qu'on voit que ce que vous faites, là. Moi, j'avais pas rien que ça à faire, j'étais en train de manipuler la radio, là, j'écoutais, je parlais, j'ai rien entendu de votre bâtarderie, là. C'était fait comme d'habitude à l'arrache. Bon. Caporal, procédez au procès-verbal, vu que monsieur il a l'air très pressé et qu'il n'a pas envie de parler avec nous. On va essayer d'abréger les choses au plus vite. Voilà. Alors monsieur, où sont vos papiers? Je peux pas vous montrer mes papiers, monsieur. Dites-nous dans quelle poche. Dites-nous s'il vous plaît dans quelle poche ils sont, vous pouvez. D'accord, ça va être simple. Monsieur, vous voulez jouer au plus con, ça va être simple. Donc vous, on va vous démenoter, vous allez mettre tout votre équipement au sol, et vous allez profiter pour sortir vos documents qui sont dans votre cul, comme vous le dites si bien. Ah voilà, j'aime ça quand voilà. Vous dites comme ça. D'accord. Donc s'il vous plaît. Continuez, on va y arriver là. On va y arriver. Non, vous inquiétez pas. Aïe aïe aïe. Attendez, caporal. Pas être rebelle non plus, mon ami. Reculez un petit peu. Allez-y, général, hein, vous êtes libéré. Et pourquoi vous me demandez, vous savez que c'est quoi mon nom, puis vous me demandez mes papiers, là. C'est quoi ce bordel? Monsieur, c'est pas la première fois que j'ai affaire à vous, vous savez. Hein. Je vous ai montré les papiers, là. Vous pouvez tout poser au sol, vous savez, hein. Pas besoin d'enlever silencieux, le viseur. Je garde ce qui est légal. Pas grand chose à mon avis. Vous savez que les silencieux et les viseurs sont pas légaux, monsieur. Hein. Arrêtez de faire les goélands là. Laissez-moi me vider au moins là. Non mais monsieur.
si tu veux vider tout votre cafard, c'est beaucoup plus simple. Monsieur, vous posez tout, on regarde ce qui est légal, ce qui est illégal. Et ce qui est légal, on vous le laisse. Et ce qui est légal, bah malheureusement, ce sera, pour vous, ça sera saisi. La cagoule aussi, hein. C'est pas sans oublier la cagoule, monsieur. Éloignez-vous, putain de bordel de reculez, merde. Reculez, laissez-le poser tout d'un coup. On regarde après ce qui est, et on saisit ce qui est, tout ce qui est illégal. Hein. Je vais vous demander de remettre les mains sur la tête, s'il vous plaît. Allez, on va tout saisir. Voilà, c'est plus simple. Mais le sac à dos, c'est pas illégal, ça. Ah, mais je vous en donne un, vous inquiétez pas. Je vous en donne un, j'ai tout saisi. Hein. Monsieur, vous m'écoutez quand je vous parle, je vais vous en donner un. Vous inquiétez pas. Bon. S'il vous plaît, caporal, procédez au procès verbal. Hein. D'accord. Est-ce que vous pouvez additionner les contraventions? D'accord, je vais le faire. Hein. Juste regarder. Bien sûr, il y a bien sûr compte en banque. Fuite, détention d'armes illégales, détention de véhicules illégales, outrage à agent des pays. Outrage à agent, bien sûr. Ouais, surtout ça. Hein. Sound resumed. Ah, ok, et... Dan. Ouais. Là il commence vraiment à me casser les couilles, j'ai même record exprès pour un moment où il nous dit je ne répondrai plus à aucune question, faites ce que vous avez à faire, mettez moi ce que vous avez à faire, puis là il dit ouais je paierai rien du tout. Mais là, écoute, attends, non mais il va prendre le seum quand tu vas lui péter son... Ouais. On va le mettre en prison et puis on va aller surveiller la prison. Alcatraz ou... Dans des cas déjà son véhicule pété devant sa gueule. Okay. Ok, on fait péter. On fait péter les frites devant lui ou pas? Ouais, c'est ça, devant lui. Hein. Tu lui dis, Attends. J'escorte. Dis-lui. Bon, monsieur. Tu veux pas payer l'amende? Y'a pas de soucis. Si, je le présente, même pas l'amende. Monsieur, vous savez quoi? Même s'il aurait payé l'amende, son frites, il explose. Oui, de toute façon. Bon, ben, monsieur, comme vous avez l'air de vouloir jouer au plus con, bah, vous savez ce qu'on dit, hein, on va jouer au plus con. Attendez doucement. Sound resumed. Ouais, peut-être pas d'aussi près. Hein. Ouais. Bah, non. D'aussi près, il va mourir là, les gars. Doucement. Déjà, je vais ouvrir ça. On va le sortir. Sors-le. Mets-le côté hélico là. S'il te plaît. Mettez-le côté hélico. Ah ouais. Petit article d'artifice de l'armée. Hein. On le bouge de l'Ifrit. L'Ifrit, tu le mets en travers de la route, s'il te plaît. Ah monsieur, vous savez, c'est un véhicule qu'on peut pas se permettre de vous laisser avec, hein. Et on a bien annoncé hein, que tout véhicule rebelle... Non, mais il n'y a pas de... On lui laisse, même s'il paye l'amende, on lui laisse pas. Oui, non, mais tu l'exposes pas. Il a dit qu'il avait plein d'argent et tout, donc c'est bon alors, il pourra pas y aller. Surveillez bien les alentours pendant qu'on le détruit. Faites quoi? Attendez, on détruit un Ifrit, parce que là, le mec, je suis désolé, il nous a fermé la porte à tout IRP possible imaginable. Et une fois, j'ai demandé la deuxième fois qu'il répète parce que là, j'ai commencé à record et puis là, voilà quoi. Allez-y mon commandant, hein. Tu peux y aller sans autre dame. Hein. Ouais. Bien devant sa race là, tu vois. Pan. Vas-y Dan, je record en plus. Hein. Il va lui sortir le tube devant lui. Oui, Dan. Ah t'es là, ok. Attends, je te prends en photo. Un petit décompte, non? En jeu, là. Allez là. 4, 3, 2, 1, feu. Joli. Eh, par contre, la carcasse, il faut surtout pas la mettre à la fourrière, les gars. Arrêtez de rigoler, si c'est vous. Hein. Ah, ça c'est moi, hein. Rigole pas, c'est qui a rigolé? Moi. Mais faites pas ça, rigolez surtout pas, lui donnez pas raison. Faites surtout pas ça. Un petit screen avec le prisonnier, le Ifrit qui brûle derrière. Vas-y. Bah c'est bon, j'ai le droit de rigoler, j'ai vu ça. Mais pas en chaîne direct sur TS si tu veux, tu te fous de sa gueule, mais pas. José. Si, vous inquiétez pas. Prenez la pause ou vous restez derrière? Et là tu vas cramer mec, recule là-bas.
Bon. Je sais pas, y'en a qui veut prendre un screen. Allez, c'est le bas. C'est 7 pour moi. Bon. Regardez en haut là, y'a un mec en haut en plus là. Oh putain de merde. C'est magnifique là, l'armée ici là. Vous sortez un. Non, on l'envoie en prison ici. Et puis Non. Il le mérite pas. Tu peux le mettre en prison pas Oui. Mettez-le en prison, mais par contre on va devoir sur. Ok, bah commandant, tu nous dis Fritz qui va de se reconnecter. Moi je me propose volontaire pour y aller en hélicoptère. Bah j'aimerais bien y aller moi aussi. Attends, doucement les gars. Dan, tu veux faire comment? On l'envoie en prison, c'est bon? Ouais. On m'a dit qu'on lui a promis un sac à dos. Ouais, mais sauf vu qu'il va aller en prison direct, il va le perdre, donc allez, prison. Donc Dan, tu me dis prison. Moi je sors en hélico. Ok, un hélico. Ok, bah je sors. Autorisation d'aller être autour de la prison. Doucement. Non, Dan. Moi seul, j'y vais même tout seul. D'accord. Ça marche. Ah, tu peux que je vienne avec toi? Bon, si, on va y aller ensemble quoi, mais pas plus. Ouais, tu prends qui avec toi, Dan? Ouais, je voulais y aller aussi. Ah, les gars, arrêtez. Non, juste moi et Enzo. C'est... Vas-y. Ok, ça marche. Vas-y, Enzo. Vas-y, l'hélico.